Mais quand on n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, this is the case, cela ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. That doesn't mean you don't know the will of God. Et c'est le petit manquement, and it's the small lackings, concernant la volonté de Dieu, que ceux qui ne connaissent pas encore véritablement Dieu vont mettre en exergue, vont mettre ça, vont mettre ça en puissance. Ils vont dire ah. The lackings of those who are not strong in that, that's what they're going to use to fix upon. Je suis allé là-bas, voilà ce qui s'est passé. I went to this place and here's what happened. Vous allez penser qu'ils ne connaissent pas comment l'Église doit se comporter. Ils connaissent toutes ces choses. Should behave. They know all these things. Ils prennent le temps, they take the time, oui, de venir faire comme nous. To come and do as us. Mais en attendant qu'ils viennent et qu'ils s'asseyent véritablement, while we wait for them to and truly come and sit, quand ils nous visitent, when they visit us, il faut qu'ils soient édifiés par notre manière de faire. They must be edified by our ways of doing things. En conclusion, in conclusion, veillons à notre témoignage. Let's watch on our testimony. Afin d'être un bon disciple de Jésus. So that we can be good disciples of Jesus. Pour nous-mêmes, for ourselves, et pour l'Église. And for the church. Le témoignage est important aux yeux du Seigneur. The important testimony to the eyes of the Lord. Quand il a guéri l'homme de Gadala, when he healed the man from Gadala, l'homme lui a dit, je veux te servir. I want to serve you. Et le Seigneur lui a dit non. The Lord said no. Va dans ta famille. Go to your family. Et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. And speak of what the Lord has done for you. Ça y est dans Marc 5. It is in Mark 5. 19 à 20. 19-20. Alors le message est terminé. So the message is concluded. Alors nous aurons l'occasion d'exhorter encore. To do another exhortation. Nous allons parler de ce qu'il faut faire pour avoir un bon témoignage. We will speak of what to do to have a good testimony. What to do to have. Voilà, ce qu'il faut faire pour avoir un bon témoignage. A good testimony. Parce que c'est bien de dire pour avoir le bon témoignage. You must have good testimony. Mais c'est encore mieux de dire ce qu'il faut faire. To explain what to do. Mais en attendant, but in the meantime, ce que j'ai l'habitude de faire, what I'm used to doing, et que je vais recommander à mes frères et mes sœurs, à chaque fois que tu veux poser un acte, every time you want to place an act, si tu es confus, if you're confused, demande, ask, à toi-même, yourself, si Jésus était à ma place, if Jesus was in my place, comment est-ce qu'il allait agir? How would he react? How would he act? L'Esprit de Dieu, the Spirit of God, qui est l'Esprit de Jésus Christ, which is the Spirit of Jesus Christ, va te révéler la bonne conduite. He will reveal the right reaction. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. On attend le Seigneur pour que vous